south of me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Avant que la vidéo commence, les amis, laissez-moi vous présenter le serveur communautaire que j'ai fait pour Tokyo Ghoul, le jeu, pour regrouper la communauté FR sur le jeu si besoin d'aide, de questions, chercher une guilde, poser une annonce de guilde, tout simplement, même rejoindre ma guilde. Il y a un salon dédié pour notre guilde, donc n'hésitez pas à venir échanger, parler, etc. Il y a tout qui est dispo, je partage même des builds dans un salon des personnages, donc vous serez informé en avance des vidéos que je ferai à l'avenir. Donc niveau build, etc. Donc il y a déjà tout ici à disposition, voilà. Il y a plein de salons pour les événements, etc. Donc n'hésitez pas à venir tout simplement, les gars. Je compte sur vous à partager en masse. Et si vous venez, les gars, il faut me DM et demander le rôle que vous voulez, donc CCG ou Ghoul, et vous aurez accès au salon du serveur. Sauf si vous faites partie du clan, les gars, vous voulez rejoindre le clan, vous me demandez pour avoir le rôle France, donc qui est dédié à la guilde. Voilà, les gars. Donc moi, je vous laisse avec la vidéo, les gars. Bonne vidéo. Voilà, peace. Yo les gars, nouvelle vidéo très importante. Faut-il invoquer sur le portail actuel qui est nouveau après Amon? Faut-il invoquer? Voilà, c'est la question qu'on va voir ensemble. Parce que ben, après ce portail-là, on va sans doute se taper un portail Noël, je pense. Donc ça risque d'être tendu. Alors, on va voir le portail. Donc le portail, c'est le même portail que Amon, sauf que là, du coup, les vedettes, c'est E2. Et le tout drop est meilleur sur Tatara et Misaka, parce que c'est un double portail et le taux de drop, il est vraiment doublé. Donc c'est vrai que juste parce que c'est doublé, vous avez quand même plus de luck de dropper un des deux. Donc c'est assez pas mal. Donc voilà. Après la question, faut-il invoquer sur le portail? C'est ça le truc. Bah je vais vous dire oui et non. Alors, j'en ai parlé en live, j'ai fait la traduction des personnages, j'ai donné mon avis, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, pardon. Et donc, tout simplement, Tatarak est bon, mais sans plus, tu vois. Ça va jouer avec les debuffs, il est très bon à eux. Voilà, sans plus, personnellement, je suis pas fan. Voilà, il n'y a rien de non plus de ouf. Mais le personnage est très bon avec Misaka. Que Misaka, lui, est un personnage... vraiment dédié pour le Force Challenge, pour tout simplement le niveau 2, donc Arbre, enfin Aogiri Free ou Tui, donc 3, donc pour ce niveau là, et en fait il est vraiment dédié à ça. Donc en fait c'est un CCG, vous allez le combiner en team avec Tatara, avec 3 autres personnages qui feront partie de l'Arbre Aogiri, qui fait que le personnage va booster et secteur en fonction des PV des personnages de l'Arbre Aogiri. Donc il faudra faire un build spécial sur les personnages Aogiri, donc attaque PV, un truc comme ça, qui fera que le personnage va épauler ces personnages là pendant l'event. Donc le personnage est quand même broken pour faire le niveau là. Donc oui, ça vaut le coup pour choper potentiellement les deux, ou du moins Misaka qui serait totalement craqué pour vous aider à faire le niveau si vous galérez. Il sera vraiment un gros plus pour faire tout simplement le Force Challenge. Et donc si vous avez les deux, bah, c'est tant mieux, hein, c'est même free. Vous passerez le niveau sans trop de difficultés. Si vous avez Tatara, bon bah why not, j'avoue, mais c'est pas non plus incroyable. Mais si vous avez les deux, ou si vous avez que Misaka, ça passe, c'est très bien. Mais sinon, ça vaut pas vraiment le coup d'invoquer. Parce que déjà, les deux là sont... en fait, ils sont bons que ensemble ou que lui tout seul, à la rigueur. Donc, c'est pas non plus foufou. Et à la rigueur, je vais vous dire, Amon est beaucoup mieux que les deux là. Après, lui, il a un avantage parce qu'il est utile avec la team Aogiri, puis pour Force Challenge. Donc, c'est un truc à part. Mais Amon est mieux que les deux là. Donc, ça vaut pas le coup d'invoquer. Même si c'est vrai que l'avantage du portail comparé à Amon et les doubles portails qui viendront à l'avenir seront doublés. Donc, c'est ça le truc qui est cool, c'est que les portails doublés, enfin, les personnages en double seront doublés. Et donc, ça, c'est autre chose. Vous avez plus de luck de dropper. Donc, voilà. Donc c'est tout
pour cette vidéo, faut-il invoquer? Moi, je vous conseille pas d'invoquer, parce que on aura un portail, à mon avis, broken pour Noël. Surtout que là, on a eu ce que j'avais prédit, hein, Amon bleu et prochain personnage rouge et vert. Et là, on a eu quoi? On a eu un personnage double portail, et donc rouge et vert. Donc, prochain personnage, les gars, on va se taper un personnage bleu, après rouge et vert également, ou vert-rouge, ça dépend de l'ordre que vous voulez. Mais voilà, donc prochain portail, donc arrivera sans doute vers Noël, après Amon, du coup. Et on aura sans doute un personnage pété, donc je pense qu'on aura du coup un personnage CCG. Soit CCG ou Ghoul. Parce que là, on a eu, bah pareil, en fait, on a eu pareil que le premier portail, on a eu Arima Kaneki, et ensuite Juzo, c'est la même chose, en fait, on a eu deux CCG et un ghoul, enfin, une ghoul. Donc, si on suit cette logique, peut-être qu'on va se taper encore un CCG pour Noël. Et malheureusement, tous ceux qui attendent potentiellement un Kaneki ou un truc pété ou un truc spécial Noël, je pense qu'on va être déçus. Je pense, hein, c'est à mon avis, oui. Mais on va se taper un personnage de CCG, à mon avis. Donc, à voir qui, hein. Est-ce que ça va être un double portail spécial pour Noël? Est-ce qu'on va se taper un truc exclusif pour Noël? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont sortir de l'habitude actuellement? Donc, en fait, on se tape un personnage CCG. Et dans un double portail, on se tape un CCG et une ghoul. Et est-ce qu'on va suivre cette habitude-là juste après, encore une fois, et donc on aura le même cycle pour Noël. Donc CCG, et ensuite plus tard, on va se taper un double portail CCG et une ghoul. Peut-être bien, à mon avis, peut-être bien. Donc à voir ce que ça va faire. Est-ce qu'ils vont suivre cette habitude-là? Ou on va se taper un truc exclusif pour Noël, etc. À voir. Donc voilà, vous avez mon avis, faut-il invoquer sur le portail? Ça dépend si vous avez besoin vraiment des personnages là. Voilà, sinon vous n'êtes pas obligatoire de l'avoir, sont pas conseillés. Tatara qui est sans plus. Amon est mille fois mieux que Tatara. Et pour que Tatara soit vraiment broken, il faudrait que vous avez Misaka pour jouer les deux là avec une team Aogiri dans l'événement Force Challenge. Voilà, faut prendre en compte, hein, si vous avez invoqué, c'est pas parce que vous avez Tatara que ouais, c'est super, non, c'est bien. Mais c'est pas ouf, surtout si vous n'avez pas le duo, donc Misaka. Donc voilà, voilà. Donc c'est tout les gars. J'espère la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez invoqué? Est-ce que vous allez économiser? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout dans les commentaires. Est-ce que vous avez kiffé voir ce portail pop ou pas? Et qu'est-ce que vous attendez pour Noël? Voilà, si nous mettent un truc éventuellement, c'est pas sûr. Donc voilà les gars, prenez soin de vous, c'était Monsieur Phoenix. Petit pouce bleu, like, abonnez-vous. Sur Discord, Tokyo Ghoul dans les commentaires, très important. Et sur ce, ciao bye Cimer.